Alors, bonjour à tous. Ici, ce matin, pour parler de Jean-Rémy Yama. Jean-Rémy Yama est le président de la centrale syndicale que nous connaissons tous, Dynamique Unitaire. Il avait, je pense, écopé de près de 10 mois, sinon plus, près d'un an, sinon plus d'un an, je veux dire, de prison sous l'ère Young Team. Parce que pour moi, ce n'est pas Ali Bongo, en fait, qui est à l'origine de son incarcération à la prison centrale de Libreville. Mais par contre, à ceux-là qui, à la suite de son accident vasculaire cérébral, ont accédé aux manettes de l'État, et donc, qui avaient la même mise sur la justice gabonaise. Ce sont eux, en fait, qui ont mis Jean-Rémy Yama en prison. Lors de la prise du pouvoir par les militaires le 30 août dernier, je crois les semaines qui ont suivi, il avait été remis en liberté sur instruction, d'accord, du président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, lequel, après l'avoir remis en liberté, l'avait nommé en qualité de sénateur de la transition gabonaise. Aujourd'hui, il siège au palais Marbongo, je crois, du Sénat. Hein? Palais du Sénat, en tout cas, il siège au Sénat. Et il fait partie, d'accord, de la constituante qui a siégé durant 3 jours, je crois, 3 ou 11 jours, ou 12 jours, un truc comme ça, je ne sais plus trop exactement combien de jours, pour justement, qui a siégé sur le projet de modification de notre constitution, laquelle a donné lieu à deux types de Gabonais, dont le premier dit non à cette réforme constitutionnelle, car celle-ci, en fait, fait dans et encourage l'exclusion. Quand l'autre côté, l'autre type des Gabonais, estime que, ben, parce que il faut dire oui à tout, même à n'importe quoi, pour peut-être lui paraître, pour sans doute, merci Gide, pendant 10 jours, ils ont siégé pendant 10 jours, pour peut-être espérer une nomination ou se maintenir, d'accord, au poste que les tout-puissants du jour ont bien voulu leur accorder, demande, exige même que tout le monde puisse effectivement adhérer à cette idée de modification de la Constitution qui confère tous les pouvoirs à un homme. À un homme. Voyez-vous? Lorsque M. Ali Bongo Ondimba décidait de la prestation de serment des membres du gouvernement, un sénateur de l'époque, fût-il de l'opposition, avait déclaré, crié sur tous les toits, que ce projet était un projet anticonstitutionnel et que celui-ci visait la monarchisation du pays, donc du Gabon. Et nous tous sur la toile, en tant qu'activistes, en tant que leader de la société civile, en tant que lanceur d'alerte, nous nous sommes accrochés dessus pour dire qu'Ali Bongo, en fait, voulait monarchiser le Gabon. Et curieusement aujourd'hui, parce que sont les militaires et que, semble-t-il, ils auraient ils seraient en bonne posture aux côtés de ces militaires, acceptent qu'une fois de plus, un homme soit au centre de la modification de la Constitution de la République qui engage la vie du peuple gabonais. À travers le oui qu'ils ont commencé à distiller ici et là sur les panneaux publicitaires. Il suffit de sortir de chez vous, de votre chambre, pour remarquer dans les rues de Libreville, d'accord, cette campagne du oui. Oui à quoi? On donne tous les pouvoirs à un homme. Oui à quoi? Il faut écarter certains Gabonais. Oui à quoi? Il faut tout ça pour le bonheur d'un seul être.
défenseur des causes sociodémocratiques, comme moi, défenseur de la vérité, républicain, démocrate, Jean-Rémi Yama est sorti de sa réserve pour dire non. Et tous ceux qui ont bien suivi ce monsieur, qui a fait ses preuves dans le milieu syndical, à cause de qui certains travailleurs gabonais ont pu rentrer dans leurs droits, ont été respectés, a dit non. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce projet est un projet morbide. C'est un projet plus que monarchique. Parce qu'on ne peut pas accepter que, alors que nous sommes plus de 2 millions d'habitants, tous les pouvoirs soient conférés d'accord à un individu, une seule personne. Et ceux qui disent oui veulent faire passer ceux qui disent non pour des moins que rien, pour des traîtres, pour des gens à la limite qui sont contre la transition. Or, ici, attention, la transition n'est qu'un passage d'un pouvoir à un autre, mais le Gabon reste. Avant Ali Bongo, il y a eu des gens, et après Ali Bongo, c'est le CETRI. Ça veut dire que si le CETRI est là, et qu'après le CETRI, il y aura d'autres personnes. Et s'il faut décider, nous devons décider en fait, non pas pour le CETRI, mais pour le Gabon et les Gabonais, parce que le Gabon appartient aux Gabonais. Alors, Jean-Rémi Yama a pris la parole hier pour dire que ça, c'est pas bien. Pourtant, il est sénateur de la transition. Pourtant, il a été remis en liberté par ces derniers. Pourtant, d'accord, son salaire a été rétabli par les militaires. Pourtant, il a tout ce qu'il faut. Il a une voiture de fonction, il a peut-être un chauffeur, il a tout ce qu'il faut en tant que sénateur. Mais il a dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pays est en danger. Où on observe en temps de transition, où les gens étaient censés en fait réunir tout le monde, qu'il y a deux camps. Un camp qui pense que les militaires en fait n'ont pas respecté leurs paroles. Unir les Gabonais. Il a dit ce qu'il a eu à dire et il n'a pas tort de le dire parce que c'est un Gabonais qui a vu, et en fait qui voit en ce projet quelque chose de pas du tout normal, pas sérieux et qui va davantage fragiliser, d'accord, le vivre ensemble au Gabon. Et comme les mauvaises habitudes ont la peau dure, certains kounabellistes commencent, d'accord, à l'injurier, disant que Jean-Rémi Yama, ce n'est pas nous qui t'avons demandé. Le Gabon est notre pays. Arrêtons de penser ou de faire croire à l'opinion que ceux des Gabonais qui ne voient pas d'un bon œil ce projet de concession, en fait, qui écarte certains Gabonais au profit d'un homme, sont contre le Gabon, sont contre la transition, sont contre les militaires. Non, ce sont des patriotes, des gens qui ont de l'expérience, qui savent ce que ce genre de projet peut produire dans notre société. Parce que voyez-vous, Ali Bongo, oui, aujourd'hui on dit que c'est lui seul, d'accord, en fait, qui a foutu le bordel dans le pays là. Mais c'est faux, il n'y a pas que lui. Ils sont beaucoup là, tapis dans l'ombre, qui l'ont induit en erreur. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient, en fait, rester là. Ils ne voulaient pas être changés. Ils ne voulaient pas perdre leur poste. Ils ne voulaient pas perdre leurs privilèges qu'ils avaient déjà obtenus. Ce, en sacrifiant, d'accord, la République gabonaise. En sacrifiant, d'accord, l'avenir de toute une jeunesse, donc la jeunesse gabonaise. Et aujourd'hui, avec la transition qui est censée, en fait, venir redorer, d'accord, l'image du Gabon et du peuple gabonais dans son ensemble, on ne peut pas accepter ce genre de projet. Parce que, justement, ce projet ne cadre pas avec la vision initiale des tenants du pouvoir gabonais actuel. Et le dire, ce n'est pas être opposé à ce que les militaires continuent, en fait, de gérer la transition. Parce que, voyez-vous, aussi, beaucoup ont applaudi les gars, c'est parce qu'ils ont tenu un discours patriote. Un discours rassembleur. Mais quand on constate que ceux qui ont dit avoir pris le pouvoir pour rassembler les gens, il y a deux camps, ceux qui disent non et ceux qui disent oui, mais comprenons qu'il y a un problème. Et parce qu'il y a un problème, eh bien, nous devons le régler. Et pour le régler, Jean-Rémi Yama propose de revenir à la concession de 91 qui apparemment met tout le monde d'accord.
Bon, on va dire que non, ben il y a Jean-Rémi Yama, c'est un ingrat, et il a trahi parce que en fait, s'il est libre aujourd'hui, c'est parce qu'effectivement il a été, il a bénéficié d'accord de grand cœur du président de la transition et tout. Mais quand il y a rien, il y a rien dans ton dossier. Si ceux qui te poursuivent en fait. Bon, comment ça va? Si ceux qui te poursuivent, en fait, n'ont pas d'éléments solides, pour te maintenir en prison, et que lui, étant dans le moule, puisque, comme l'a dit Billy Binze, hein, Brice Cotter-Oligui-Nguema faisait partie de la Young Team, donc il connaissait tous les dossiers. Il avait une parfaite connaissance, en fait, de ce dossier-là. Et donc, étant au parfait de ce qui était reproché à Jean-Rémi Yama, qui n'était pas du tout fondé, mais il a jugé utile. Comme il l'a fait avec d'autres, Léandre Zoué. Quand bien même, il y a ceux qui affirment toujours que Léandre Zoué, en fait, méritait la prison. De le mettre en liberté. Donc, c'est cette situation aujourd'hui à laquelle nous sommes confrontés. Il y a deux camps. Et dès lors qu'il y a deux camps au Gabon, donc ceux qui disent oui, et ceux qui disent non, mais comprenons qu'il y a un problème. Et quand il y a un problème, il faudrait que nous puissions d'accord le régler. Et pour le régler, il a proposé d'accord de revenir à la constitution de 91 qui n'exclut personne. Or, dans ce dont nous sommes en train d'aller là, c'est pas bon. Et ça peut être aussi un alibi pour d'autres personnes, en fait, de dire non. Et de dire que ben si on a pris le pouvoir encore, c'est parce que il a voulu faire voter une loi qui n'arrange pas tout le monde, qui fait dans la division, qui fait dans tout et n'importe quoi. Et ça, il est inacceptable. Et les Gabonais vont quoi applaudir? Bon, imaginez un instant. Ce qu'on a vécu le 30 août, on le vit encore aujourd'hui. Et que ceux qui le font aujourd'hui disent que non, ben si on a fait ça, c'est parce que en fait, et on a voulu nous imposer une constitution à la République qui ne cadre pas avec nos aspirations, avec les aspirations du peuple gabonais qui a besoin de s'unir davantage. On va applaudir, non? Parce que ils auraient dit la vérité. Mais pourquoi qu'on arrive là? Mais commençons déjà à rectifier le tir. Et le demander, ce n'est pas en fait être contre X ou Y. Non, le demander en fait, c'est protéger nos acquis. Parce qu'on dit que non, ben un Gabonais qui a épousé une étrangère n'a plus droit à se présenter aux élections présidentielles. Donc doit-on nous priver en fait, ou sinon doit-on se priver de nos élites pour leur choix de vie? Non, au contraire, je souhaiterais pas plutôt que l'on prenne des lois pour encadrer ce genre de d'union là d'un Gabonais avec une non-Gabonaise, leur donnant un cadre permettant d'agir. Et celui qui déborde, ben tout de suite il est mis out. C'est facile à faire plutôt que de l'exclure. Or, en le faisant, ça crée des frustrations. Et comme vous le savez, la frustration engendre la colère et la colère, comme vous le savez tous, engendre la violence. Parce que voyez-vous, moi j'ai cru, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, le 30 août, j'ai cru, mais les jours qui ont suivi, sinon les heures qui ont suivi, j'ai commencé à douter. Aujourd'hui, je suis sûr de ma position. Que là, c'est pas bon. Et parce que c'est pas bon, nous devons parler pour lui, effectivement, ça, c'est pas ce que vous avez dit au préalable. Vous nous avez dit ça, savoir faire ça, parce que. Mais on a l'impression que vous retombez dans les mêmes travers. Et quel est le Gabon que nous voulons construire dans de telles conditions? Bon. Est-ce que dire que là, vous avez échoué, c'est être contre quelqu'un? Plus que quand tu dis, quand tu promets des choses et que tu ne réalises pas, il faut bien qu'on te dise que ce que tu as dit, on ne va pas. Et le dire, ce n'est pas injurier, ce n'est pas en fait se mettre contre quelqu'un, non. C'est dire simplement la vérité. Que tu as dit restaurer, d'accord, nos institutions. Curieusement, alors qu'on parle de restauration, d'accord, de nos institutions, vous avez encore placé à leur tête des gens qui ont conduit au coup d'État. Parce que voyez-vous, on ne peut pas se laver le corps avec de l'eau sale. Puisque vous avez fait le coup d'État, on estime que tous ceux qui ont géré là sont sales. En fait, c'est des personnes qui devaient se cacher même, en fait. Mais vous les prenez, vous les ramenez. Vous les imposez aux Gabonais. Et quand les Gabonais boudent, ben c'est là où vous échouez avec le CETRI. Non, nous, c'est nous le peuple. Le pouvoir appartient au peuple et c'est à lui de décider. Quand il voit que ce que vous faites n'est pas bien, ne cadre pas avec ses aspirations, il a le droit de vous le dire. Il a le droit de vous le dire parce qu'en fait, il est Gabonais et c'est chez lui. Il aimerait que ce Gabon-là, qui a divisé les, en fait,
qui a divisé les Gabonais, parce que bon, c'est pas le Gabon qui a divisé, les Gabonais qui ont divisé les Gabonais. Oui, on dit que Ali Bongo a amené les étrangers, mais qui a amené les étrangers? Ce sont les Gabonais aussi. Qui donnent le pouvoir, qui leur donne le pouvoir? C'est nous les Gabonais. Donc commençons par restaurer notre façon de faire, d'agir, de se comporter envers le Gabon et envers nos compatriotes. Hein? Arrêtons avec le coulabellisme. Ça abrutit les gens. Ça ne donne, c'est que ça ne norme même pas ce que vous incarnez et les valeurs que vous défendez. Dites les choses clairement, sans parti pris. Moi, j'aimerais bien donner un oui à Brice Kotter-Oligui-Nguema, déjà pour avoir cette idée-là, même si aujourd'hui on doute que ça a été un vrai coup d'État, mais puisqu'il l'a fait que Bongo n'est plus là, au moins on croit. Parce que Ali Bongo n'est plus là. D'accord? Peu importe ce qu'il peut y avoir en dessous, mais ce qu'on sait, c'est qu'Ali Bongo n'est plus là. Et en récompense à ce geste-là, moi j'aurais souhaité donner oui. Mais de la façon dont c'est fait, il y a des réticences. Je suis pessimiste. Et je ne suis pas seul dans ça. Et parce que je ne crois plus à ce qui est en train d'être fait, soi-disant pour notre bien, mais il faut bien qu'on lui dise. Et Jean-Rémy Yama, comme d'autres Gabonais, l'a dit hier, et de façon claire. Et je tiens d'accord à saluer cet homme-là. Oui, alors qu'il est payé par l'OCTI, alors qu'il est peut-être transporté par l'OCTI, il a dit, ça, c'est pas bon. Voilà ce que je propose. On repart à la constitution de 91 qui met tout le monde d'accord, plutôt qu'à celle-là où un seul être humain devient super puissant. Non, c'est pas bon. Le Gabon est une république, c'est pas une monarchie. Parce que comme il l'a dit, eh ben, on ne naît pas dictateur, on devient dictateur. À cause de quoi? Mais à cause des mauvais conseils, des souffleurs, des gens qui, en fait, pour avoir été nommés, veulent rester là, veulent s'accaparer de ce poste-là. Pour continuer, en fait, à narguer les Gabonais. Et du coup, ils veulent induire en erreur simplement. Et si on manque de clairvoyance, s'il n'y a pas des gens en fait qui attirent l'attention, c'est clair que le gars ira tout droit dans le mur. Et quand d'autres Gabonais, sinon l'esprit patriotique va habiter d'autres Gabonais, et que ceux-là aussi se lèvent pour dire non, voilà qu'on va encore revenir en arrière. Pour dire que là, le chemin emprunté par nos aînés là qui ont pris le pouvoir le 30 là n'est pas bon, il faudrait qu'on change de cap. Voilà qu'on va encore revenir en arrière. Parce que un coup d'État n'est pas toujours bon. Parce que, effectivement, lorsque il y a un coup d'État dans un pays, en fait, tout tourne au ralenti. Aujourd'hui, pour nous, les chômeurs, là, c'est chaud là-dehors. Même les travailleurs, c'est compliqué. Les hommes d'affaires, c'est encore pire. L'argent, on a l'impression que ça ne circule pas. Pourtant, lorsqu'on suit Gabon Télévision, Gabon 24 et les chaînes comptabilistes du Gabon, on voit la distribution des milliards ici et là, mais cet argent est où? On ne voit pas ça en circulation. Donc, c'est un problème. C'est pourquoi j'avais dit, lors de la prise du pouvoir des militaires, qu'une transition est censée mettre moins de temps, parce que ce n'est que le passage d'un pouvoir à un autre. Beaucoup m'ont insulté, oh non, on veut même que ça soit 10 ans. En fait, me narguer, quoi. Oh non, il peut même rester 10 ans. Non. Mais on oublie effectivement l'aspect économique. La politique sous Ali Bongo a divisé les Gabonais. Mais, étant cela, on va dire les sauveurs, on les appelle comment, les Josué et les Moïse, je sais pas comment on les appelle là, tous les noms là, cons là, on les attribue là. Mais venez faire les choses de sorte que tous les Gabonais se reconnaissent. Mais quand vous voulez agir pour vous-même, mais c'est clair que si moi, je ne me retrouve pas dans ce qui est fait, je viens dire que ça c'est pas bon, ça ne me concerne pas, je ne suis pas concerné parce que je ne suis pas concerné, ben, je vais dire non et inciter aussi ceux autour de moi à dire non. C'est ce qui se passe en fait aujourd'hui. Le Gabon est divisé et demeure divisé. Depuis l'ère Ali Bongo, sous le sceptre des Gabons, le Gabon est divisé et les Gabonais sont divisés entre eux. Prenez les taxis, allez dans les lieux publics, écoutez les Gabonais parler. C'est chaud là dehors. Parce qu'on en est là, eh ben, c'est pas bon. Et parce que c'est pas bon, nous devons le plus rapidement possible rectifier le tir. Parce que, en le faisant, mais
On sauve la transition, on sauve les militaires, mais on sauve le Gabon. Donc, arrêtons de penser que ceux qui ne parlent pas le même langage que nous sont contre nous. Non, eux aussi, ils ont un droit de parole. Parce que ce sont des Gabonais qui pensent que ce pays n'a pas besoin d'exclure ses enfants. Parce que le Gabon n'est pas le premier pays du monde. Donc, voilà, je soutiens, d'accord, avec la ferme énergie, sinon la plus vive énergie, d'accord, cette sortie d'hier de Jean-Rémy Yama. Et je me contrebalance tout ce qui est versé contre lui par ces kunabélistes-là, des gens qui ne changent pas et qui ne changeront plus jamais. Et qui ont prouvé leur incapacité, d'accord, à changer. Parce qu'ils espèrent être nommés, les voilà qui acceptent tout ou n'importe quoi, sacrifiant ainsi leur avenir et ceux de leurs enfants. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit live du matin. Le Gabon est notre héritage commun. Tout Gabonais, où qu'il soit, quel qu'il soit, a le devoir de défendre sa part d'héritage. Il a le droit de se poser des questions sur ce qui est fait, parce que ce qui est fait aura un impact considérable dans sa vie. Et j'invite davantage la jeunesse gabonaise, en fait, à s'intéresser à la chose publique de son pays. Parce qu'aujourd'hui, si on crie que oh, ben, la jeunesse gabonaise est laissée pour compte, mais c'est parce qu'en fait, on leur a tout donné. Ce qui fait que, pour l'avoir fait, quand le papa est président et ministre, ben, quand il part, ben, c'est le neveu qui remplace, c'est le fils qui remplace. C'est comme ça. Parce qu'en fait, pour eux, le Gabon leur appartient. Mais si, comme un seul homme, nous disons, ben non, nous sommes tous Gabonais, il faudrait que les choses se fassent, de sorte que tout le monde soit d'accord, se sentent concernés, mais ils vont réfléchir, ils vont reculer. On a tous vécu cette situation-là pendant la prise de pouvoir où les nominations se faisaient ici et là. Chacun, on appelait à chaque fois, oh non, dis-moi, mais on dit quoi? Finalement, tu n'as pas la position là-bas. Mais donc en fait, c'est nous qui sommes appelés à rester comme ça là. Pendant que tous les jours, on nomme les gens, mais à quel niveau? C'est ça la politique. On a dénoncé la politique de copain et coquin, mais on continue de le vivre. Parce qu'on le vit, il faut bien qu'on dise que c'est pas bon. Parce qu'on sait ce que cela nous a apporté les 14 années passées sous Ali Bongo. Donc, bonjour. Donc, c'est un peu ça. Le Gabon a des problèmes. Rien, c'est que, malgré le fait qu'on a des... En fait, ils ont essayé de revêtir certaines voies, d'accord, créer des petites ruelles ici et là, mais le problème du fond reste réel, il est là. On le voit et on le vit, ce problème-là. Rien, il n'y a rien, il n'y a aucun changement là. Il n'y a pas de changement. Ça continue en fait de nommer des amis, des parents. On continue de voir, d'accord, des gens qui ont nargué les Gabonais hier, bomber le torse dehors. On continue de voir comment les milliards sont partagés ici et là. Le kunabélisme en fond la caisse, ça continue. La pauvreté s'accentue, s'accroît. Le chômage, la même chose. Les commerçants se plaignent. Les hommes d'affaires, c'est la même... En fait, bon, oui, le changement, c'est où? Bon, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Arrêtons. Oui, nous sommes tous Gabonais, parce que nous sommes tous Gabonais. Nous avons le devoir de dire des choses quand ça ne va pas. Et là, ça ne va pas. Donc, si vous voulez qu'on vote oui, faites les choses de sorte que tous les Gabonais se reconnaissent. C'est tout. C'est tout ce qu'on demande, c'est tout. C'est pas sorcier, en fait. Il suffit, en fait, de décider. C'est tout. Et on recommence. C'est pas interdit de recommencer. Quand tu as échoué, si tu estimes que là, c'est pas bon, ben, tu peux recommencer. On ne sait jamais. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. Désolé si j'ai heurté la sensibilité, la dignité des uns des autres. Désolé si j'ai invectivé les gens directement ou de façon indirecte. Mais je crois que pour ceux qui me connaissent, c'est comme ça que je parle. Terre à terre, au calme. Clair et net. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et là, c'est pas bon. Parce que c'est pas bon, nous devons rectifier le tir. Merci beaucoup. Bonjour à toi, Gide. Merci encore d'avoir participé. Je vois tes commentaires. Merci beaucoup.